Ouais, voici tes ouvriers qui t'attendent ici là. C'est comment? Tu as mis les clés où? La classe comment? On a affiché ça depuis quand? On a affiché ça depuis quand? Ok, on fait comme ça là. Bonjour, bonjour la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, je ne suis plus long à présenter, comme vous le constatez, voilà, c'est bien moi, Banga Diaspora. Donc, nous allons essayer de donner chacun son point de vue, hein, son point de vue, mais je suis vraiment déçu, vous savez, je suis déçu parce que il y a des personnes. Oh, ça va bien, Arnold. Donc, je vais zapper les commentaires pour ne pas lire. Ça va me déconcentrer. Voilà, ça va me déconcentrer en lisant les commentaires. Donc, déjà, bonjour. Je suis de tout cas avec vous, comme vous constatez. Toujours de bonne humeur. De bonne humeur, pas pour moi, parce que je m'appartiens. Puis, je vous appartiens. Je vous appartiens. Même si je vais dire, il y a une grande différence entre un activiste et un artiste. Voilà. Il y a une très grande différence. Tout ça, c'est de l'art. L'art oratoire, l'art de bien parler, l'art de combattre. Nous sommes tous des artistes. Mais un artiste comédien qui n'est pas engagé, un artiste chanteur qui n'est pas engagé est différent d'un artiste chanteur engagé. Parce que l'artiste engagé porte la voix du peuple. Tel comme l'activiste. C'est-à-dire qu'il entre sur la scène en portant la voix du peuple, en présentant le peuple en public. Voilà la différence entre les autres qui ne sont pas engagés. Voilà le pourquoi il y a des gens qui n'assument pas notre amitié. Voilà le pourquoi parfois quelqu'un vient, il prend une photo, il me forward, il me dit, Banga Diaspora, s'il te plaît, pardon, ne mets pas ça sur ta page. Vous voyez comment nous souffrons. Il y a des personnes qui t'aiment bien, mais c'est bonjour, bonjour à distance, il passe sa route. Je ne sais pas si c'est lui qui fait les vidéos. Je ne sais pas le pourquoi il a peur d'assumer notre amitié. Je sais de quoi je parle. Donc en réalité, un activiste, un artiste engagé comme les Valsero et autres sont les grands-parents du peuple. Donc on nous doit du respect. Parce que nous venons en portant la voix du peuple au devant de la scène. Je parle toujours pour le peuple. C'est ça ma thématique. C'est ça mon objectivité. Me mettre à la place du peuple. Parler pour le peuple. Défendre le peuple. Il y a des choses qu'on fait en back off. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai fait 2 jours en cellule quelque part parce que je suis parti défendre un gars de la diaspora. Défendre un gars de la diaspora. J'ai fait 2 jours en cellule. Et ce qui m'a plu, c'est que ce monsieur a quand même eu la liberté. Parce qu'on voulait coxer le gars. Voilà un gars, on trouve avec les habits, c'est de quoi, dans son chat. On veut qu'il paye 1 300 000. On veut qu'il paye 1 300 000. Il dit, mais c'est bien que maïs, le gars m'appelle. Même comme à la fin, parfois, vous décevez les gens parce que vous croyez que nous, on mange votre merci là. Non, on ne mange pas votre merci. Voilà quelque part où je rejoins Eba là. Voilà, même comme il dit qu'il ne faut pas partir se faire enregistrer sur les listes électorales. Non, c'est très important. Aller se faire enregistrer sur les listes électorales. Mais tout ce que veut dire, c'est que. Tout ce que veut dire, c'est qu'il y a une très grande différence. Et l'artiste ne s'appartient pas. Un artiste ne s'appartient pas. Un artiste est le fils adoptif du peuple. Comme dit souvent Général Bassero, si tu as le talent sans la magie, ça ne vaut pas la peine. Parfois, quand Vassilo dit ça, je dis que, mais qu'est-ce que le gars se veut par là dit? Non, c'est vrai. Si tu sais parler, si tu es un activiste, tu as peur de la cellule, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'on va t'effrayer avec. Parce qu'un activiste, quand tu t'engages, c'est jusqu'au bout. C'est ça le plus important. Il ne faut pas seulement dire que je veux le changement. Mais es-tu prêt à donner ta poitrine pour ce changement-là? Là, c'est là où commence la magie. Donc comme ça là, chapeau au général Vassero. Je comprends aujourd'hui. Mon style charismatique,
Un gars qui est tout charismatique. Mais, mon ami, tu as perdu ton charisme hier. Tu as perdu ton charisme. Il faut souvent regarder vos photos du passé. Regardez-vous dans la glace. Regardez où vous venez. Aujourd'hui, vous avez des amis. Vous signez des contrats avec des multinationales. Mais c'est grâce à qui? Vous êtes la propriété du peuple. Faites attention, il faut dire la vérité. Un artiste est comme une institut. Tu es la propriété du peuple. Vous êtes la propriété du peuple. Pourquoi? Regardez vos photos hier. Même vos familles n'ont pas pu vous sortir de la misère d'où vous étiez. C'est le peuple. Vous êtes nombreux là. Que vos familles ont refusé. Que vous fassiez ce que vous êtes en train de faire. Mais il faut dire la vérité. Vous êtes nombreux. Que vos familles ont dit, niet, tu ne chantes pas. Tu ne joues pas la musique. Tu ne dois jamais jouer le football. Mais le peuple vous a accepté. Vous venez là, cala, cala, cala. 11 devant 11. Personne n'a un franc dans ses poches. Subitement, un jour, on lance un mouvement. Même si vous ne faites pas partie du comité d'organisation, mais quand même, suivez le mouvement. Suivez le mouvement. C'est pas parce qu'on a ouvert une cagnotte sur la toile que ça ne vient pas de moi que je ne dois pas contribuer. Non! Et si tu sais que tu ne peux pas faire partie du mouvement, tu te tais au moins. Au lieu de faire ce genre de sortie pour décourager les gens. Mes chers frères et sœurs, mon ami, toi qui m'écoutes là, ça ne sert à rien de les écouter. Hein. Tant qu'ils ne sont pas là pour soutenir ceux-là qui les ont soulevés jusqu'en l'air, il faut vous désabonner de leur page. Désabonnez-vous de leur page. Moi, je me suis là désabonné. Hein. Je me suis déjà désabonné. Sauf si peut-être quelqu'un partage ou bien quelqu'un envoie une vidéo par mon WhatsApp. Mais je me suis déjà désabonné parce qu'ils ne servent à rien à la fin. Voilà ce qui veut dire avoir le talent sans la magie. Il y a beaucoup là, quand on les arrête, on les faute un peu. Ils ne parlent plus. Beaucoup sont là. Quand on les arrête, on gifle un peu comme ça là. Ils ne parlent plus. Beaucoup sont là dès lors que la police toque à leur porte. Jusqu'il s'échappe, il sort de sa brousse, il change sa manière de faire. Voilà là où on te dit que le talent sans la magie, le don sans la magie, le courage sans la magie, c'est peine perdue. Donc c'est Vassero qui avait raison. Tout ce que tu fais là, si tu ne peux pas faire face à la magie, ça ne vaut pas la peine. Parce que la magie d'un régime, d'un système pareil, c'est de te miroiter la prison, les menaces. C'est clair. Et quand tu es leader charismatique, tu ne dois pas céder aux menaces. Ça dit que ça montre simplement que tu as fait ton choix. Tu as choisi le bourreau au lieu du peuple. Parce que si tu n'avais pas choisi ton bourreau, tu ne pouvais pas insulter le peuple. Quand on devient une personnalité publique, on a le droit et devoir de se taire parfois. Ou bien de se maîtriser parfois. Ou bien de parler à la fin. Regardez en Côte d'Ivoire. Les plus petits ont commencé. Mais à la fin, nous voyons les légendes africaines. Les légendes mondiales. Sorties comme Alpha Blondie dit. Orange. Il ne parle pas. Mais seulement son geste. Ça te montre que il est avec Safaré Obiang. Qui est son... Attendez, mais ce monsieur peut accoucher. Alpha Blondie peut accoucher Safaré Obiang en Côte d'Ivoire. Mais l'artiste qui a commencé en Côte d'Ivoire avec ce mouvement-là, c'est Safaré Obiang. Avant ça, il y a eu certains hommes politiques. Mais comme l'artiste est déjà d'abord l'élu, il est l'élu divin du peuple. Il est l'élu naturel du peuple. Parce que ce que l'artiste fait là, ok, c'est pour le peuple. Et c'est le peuple qui l'adopte. Donc un artiste n'a pas besoin d'envier un député. Un artiste n'a pas besoin d'envier un sénateur. Ou un ministre. Ou un président. Parce que les présidents, les ministres, les élus passent par les artistes pour se faire élire. Ça veut dire un artiste qui envie un homme politique, c'est un villageois. C'est un villageois. Et c'est ce qu'il faut dire. Vous n'avez jamais compris même en réalité votre rôle. Qu'est-ce qu'un artiste? Je suis artiste. Quand je chante, je regroupe des personnes. Je passe partout. Les gens chantent ma chanson. Les gens s'habillent comme moi. Les gens m'imitent. Les gens cherchent à parler comme moi. Qu'est-ce que
que j'ai à foudre avec un homme politique qui est là pour un temps. Qui est là pour un temps et qui risquera de finir même en prison après son mandat. Certains même finissent en prison avant même leur mandat. Qu'est-ce que tu peux envier à un homme politique? Tu es l'élu naturel, divin du peuple. Donc tu dois être charismatique. Mais tu as perdu ton charisme. Et quand tu t'adresses au peuple, tu ne dois pas être hautain. Tu ne dois pas être arrogant. Vous voyez les gens comme ça, les personnes limitées comme les Malors. Les bonnes à rien, les vauriens comme les Malors comme ça là. Il est là comme un enfant atteint du kwashiorkor avec son petit ventre devant là. C'est-à-dire qu'il est limité à son petit bar, à sa Mercedes qu'il vient d'avoir. Une vieille Mercedes, j'ai ça depuis 12 ans. J'ai la Mercedes là depuis... Écoute-moi bien, j'ai acheté la Mercedes là depuis 12 ans. À l'époque, ça coûtait 45 millions de francs CFA. Cette Mercedes que j'ai dans ma cour. Aujourd'hui, c'est ça que tu flashes. Les villageois, les parvenus. Tu sens que voilà un artiste qui est limité à avoir une villa, un bar et une Mercedes. C'est bon pour lui. Et quand on va vous insulter, vous allez dire que non, les gens sont méchants avec vous. Non, non, parfois il faut piquer là où ça fait mal. Ça ne sert à rien d'avoir une grosse maison, une grosse voiture de 7 places, hein, s'il n'y a pas les enfants qui vont manger cela ou bien qui vont occuper la maison là. Ça ne sert à rien. Mais ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce que sont ces mêmes gens là? Les gens limités comme ça là. Vous croyez que c'est ça qui vous mérite? Dans un vrai pays normal là, je vois souvent Mouti le charismatique là. Mais attendez, mais il n'est pas capé. Vrai là. Oui, il a le talent, mais je le vois constamment derrière les motos. C'est beau, il faut être humble. Mais quand on est derrière artiste, mon ami, quand on est derrière artiste, quelle personnalité connue, fais attention, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que ça tue l'esprit. Tu dois te concentrer. Et dès lors que Dieu veut te... Quand Dieu veut déjà te rendre fou, il t'abandonne. Mais oui, regarde comment ça se passe. Et dès lors que le peuple t'abandonne, tu perds ton inspiration. Ça, ce n'est que le commencement. Oui, oui. Ça, ce n'est que le commencement. Avec ce que je suis en train de voir avec vous là. Il faut vous désabonner. Vous qui êtes là en train de parler. Désabonnez-vous de la page. Ils ne servent à rien. Depuis qu'on peut mettre un mouvement sur pied, tout le monde adhère. Vous voyez les tintins comme ça par rapport à les petits revenus. Les petits revenus. L'autre personne a donné 20 millions à l'époque. Tu es qui? Toi, Malors. Pour venir dire que non, venez voir, on met un plan sur pied. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Est-ce que Alpha Blondie a dit, Safara ou bien, venez voir pour qu'on cause ensemble, c'est moi votre grand-père. Est-ce que l'autre a dit ça? Le vieux père, le grand-grand-père de Safara ou bien, qui est Alpha Blondine? Tu connais qui est Alpha Blondine? Vous êtes là même ici, au Gabon, on ne vous connaît pas. D'abord, il y a les villes ici qu'on ne peut pas écouter les morceaux de Malors. Mais oui. Mais oui. Les Alpha Blondine, on les écoute même en Australie. Nous, on a eu la chance de voyager. Tu peux en Australie, à Melbourne. Tu écoutes la musique de Alpha Blondine. Tu peux en Indonésie. Les pays, c'est-à-dire les pays qui n'ont rien à voir avec nous là. Tu peux en Indonésie, Malaisie, Singapour. Tu écoutes les chansons de Alpha Blondine. Regardez comment lui-même, il vient rejoindre le mouvement. On sent que vous êtes des égoïstes, vous êtes calculateurs. Parfois, il faut être naïf. Adhère à un mouvement. Quand tu sais que le mouvement, si c'est un bien pour le peuple. Parce que le peuple, vous dites, vous plaignez. Vous vous plaignez que vous n'avez pas les millions de vues sur YouTube, sur Facebook. Mais vous croyez que la société civile, ceux-là, les plus faibles, qui sont en bas, qui vous ont soulevé là, s'ils n'ont pas la connexion moins chère, comment ils vont faire pour vous suivre sur YouTube? Comment ils vont faire pour aller liker? Comment ils vont faire? Moi, je sais ce que je parle. Je suis obligé de mettre 10 000 pour avoir une connexion fluide. Mais qui va finir bientôt? Les histoires qu'on dit que tu mets 10 000 là pour avoir 1 giga par jour, c'est des conneries. Tu essaies, tu es mort. Tu essaies, tu es mort. Je peux mettre mes 10 000, laisse ça comme ça là. Ça finit après un jour, deux jours. Je dis merci à Dieu. Parfois, je vois une fan quelque part. Voilà, parfois, quelqu'un, quand je mets mon PayPal là, ou bien mon numéro de transfert d'argent, quelqu'un m'envoie là en dedans. Banga Diaspora, je te dis merci pour ce que tu as fait. Voilà l'argent que je t'envoie. Je mets le crédit. Voilà le frère Gibson qui est passé hier. Avant-hier, il m'a donné 50 euros. Il m'a donné 50 euros. Il me dit, Banga Diaspora, merci pour ce que tu fais. Je prends ça, je mets le crédit, j'avance. Hein? Regardez-moi les gens comme ça là, vous sortez même d'où là. Vous êtes qui? Voilà le vieux père Alpha Blondine qui adhère à un mouvement.
de ses petits-petits-fils. Il n'est pas venu compliquer en disant que non, il faut venir en cause parce que tout pour vous, tout pour vous, vous calculez tout. Vous calculez tout. Parfois dans la vie, on n'est pas obligé d'être, faire partie du comité d'organisation. Parfois, on n'est pas obligé. Dans la vie, même dans ta famille, quand tu vois qu'on est en train de faire quelque chose de bien, méfie-toi de devenir le sorcier de ta famille. Méfie-toi d'être le sorcier de ta famille. Quand on veut faire quelque chose pour le bien de tout le monde, évite de boycotter dans ta famille parce que tu es celui qui est riche. Tu es celui qui a l'argent. Dans nos familles, là, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. J'ai toujours dit ça à mon petit frère. Mon petit frère venait ici au Cameroun, ça fait peut-être 7 ans à l'époque. J'ai dit que te voilà, tu pars comme ça, tu as fait quoi? Tu es en train de partir, tu as fait quoi? Tu penses que c'est moi qui dois tout faire les petites choses? Hein? La maison est en train de finir, je suis en train de construire la maison, j'ai fait la fondation, tout. Mais toi, c'est comment? Voilà, tombe du grand-père, j'ai fait. Toi aussi, pose un acte. Il y a que bon, je suis en chantier là, voilà le WC. Mets aussi les carreaux. Mets aussi les carreaux. Quand tu es un vrai leader qui n'est pas sorcier, qui veut que la bénédiction te casse à porte, tu deviens un sorcier. Dis aussi aux autres que voilà, va là-bas, tu mets même les carreaux. Partage les bénédictions de la famille avec les autres. Comporte-toi bien. Avant que les autres disent que nous, on ne veut pas. Au moins, tu as essayé. J'ai dit à mon petit frère, non, va aussi là-bas. Va faire la tombe de la grand-mère. Aujourd'hui, quand je passe, je vois la tombe de ma grand-mère. Je dis que, ah, c'est ici, c'est mon petit frère qui avait fait la tombe ici. Et c'est une bonne chose. Regardez-moi les gens comme ça là. On met un mouvement sur pied, vous venez vous gâter. On met l'eau pour tout le monde va boire, vous venez mettre l'alcool dedans parce que vous consommez l'alcool. Qui t'a dit ça? À un moment de la vie, on fait ce que le peuple demande. Le peuple n'a jamais tort. C'est Vancelo qui avait compris. Le peuple est souverain. On en a Yami. Le peuple est souverain. Vraiment les petits rats comme ça là. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui ils ont de quoi manger. Mais alors, va voir ta photo. Regardez vos photos où vous sortez là. Aucun ministre ne vous connaissait. Orange ne vous connaissait même pas. Orange ne vous connaissait pas. Moustique, personne de vous là, Orange ne vous gérait. Soyez même intelligent comme les fingons. Soyez intelligent. Parfois comme les fingons. On peut avoir le talent, mais on n'a pas la magie dedans. Après, être même malin. Après, vous allez vouloir vous comparer avec les stars de l'autre côté. Vous voyez comment quand Didier. Quand Didier Che Guevara veut parler, ils sont posés. C'est le manager qui parle. Quand c'est l'autre ici, la Kérosène qui veut parler, c'est son manager qui parle. Parce que le manager parle à ta place, mais avec une telle sagesse, un tel professionnalisme, une telle malignité à l'intérieur. L'artiste n'est pas obligé de tout dire, de tout faire. Parce que à force de vous donner de l'amour, vous croyez que vous êtes au-dessus du peuple. Non, c'est le peuple qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous êtes l'enfant adopté du peuple. Vous n'êtes même pas, parce que tu n'es l'enfant de personne dans ma famille. Mais j'ai de l'amour pour toi. Je te soulève en l'air. Je vais quelque part, j'exige qu'on mette des chansons. Comme ce Toto de Malors à l'époque. C'est quand même qu'à l'époque, quand j'entrais quelque part, il demandait qu'on mette ses chansons. Vous voyez, ils viennent plancher. Oh, mais boycott. Il passe son temps, il clash Siri Bojiko. Il clash tel. Mais à la fin, on comprend que ce sont que les méchants. Quand ils veulent se positionner, ils doivent dénigrer les autres. Pour leur gloire. Mais faites attention. On peut avoir la gloire à tout prix. Mais on perd sa dignité. On peut avoir la gloire à tout prix. Mais on perd sa dignité. Méfiez-vous, vous les artistes là, qui ne voulez pas suivre le mouvement du peuple. Voilà un multimilliardaire aujourd'hui. Qui a eu la gloire, il était l'ami de tout le monde. Il faisait les fêtes chez lui. Il organisait les cérémonies. C'est les ministres qui étaient chez lui. Les ministres d'État, les généraux. Il parlait fort aux diplomates. Il intimidait les délégués à la sécurité nationale. Aujourd'hui, il a eu toute la gloire. Where is he now? Il est où aujourd'hui? Maintenant, il bagarre pour sa liberté. Il a perdu sa dignité. La dignité est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. Gardez votre dignité. Qu'est-ce qui ne va pas? Le pays traverse des moments très difficiles. Quelles que soient vos acquaintances, quelles que soient vos affinités, avec des sociétés, des sponsors dont vous avez signé des contrats,
qui sont des multinationales très puissantes. Entrez même inbox. Tu peux prendre ton téléphone, toi Malox, tu appelles ta grande soeur Carré Fosso, qui a le succès plus que toi, qui chante en Occident. Tu lui dis, ma grande soeur, le mouvement est bon. Tu peux m'appeler un membre de la vie quand c'est pour le bien du Cameroun. On descend à terre, arrêtez l'orgueil. Vous n'êtes rien. À la base, vous n'êtes rien. Vous devez tout au peuple. Vous n'êtes rien. Et quand c'est pour le bien du pays, vous croyez qu'il y a beaucoup là qu'on se filme par poids, vous croyez qu'on se change quoi ensemble. En réalité, on n'a rien de commun. Mais comme c'est pour le Cameroun, l'autre jour, j'ai vu le monsieur ici là. Il me remarque, il dit, mais toi, c'est qui? Il dit, mais il y a un bagage diaspora. Oh, papi Asanga. On a causé, on a dialogué. Alors que c'est sorti, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que là, on parle du pays. On parle du Cameroun. Chacun donne son opinion. Ce n'est pas la guerre. Tu peux partir par derrière. Toi, Malox, tu prends ton téléphone, tu appelles même David Ebouto. Vous êtes tous là à vous osser le torse. Vous n'êtes rien. Nous sommes tous des enfants du pays. Chacun est important à son niveau. Il faut que vous compreniez ça. Chacun est important à son niveau. David Ebouto est important à son niveau. Toi, tu es important à ton niveau. C'est lui qui a lancé le mouvement. Maintenant, votre soeur Carré Fosso a fait. Et David Ebouto n'est pas de votre monde. Vous êtes des artistes. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez la soeur. Vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce que vous faites? Ça, il faut beaucoup de tact. Il faut du tact. Il faut être bien entouré. Vous appelez Carré Fosso, la grande, le mouvement que tu as lancé là, tu sais que bon, c'est un mouvement que moi, je signe, je suis en partenariat avec quoi. Tu sais, c'est un truc que moi, je chope dedans. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Voilà mon idée que je donne. Voilà. Mais non, call my name. Oui, tu noques le Shiba. Tu dis que ça ne sert à rien de crier devant la toile. Comme alors, tu es orgueilleux. Tu es arrogant. On sent que ta vie se limite rien qu'au boivement. Voilà les gens qui veulent être artistes. Un artiste est au-dessus de la gloire. Regardez-moi les gens comme ça là. Il dit que un artiste est au-dessus de la gloire. Quand on veut parler à ceux qui t'ont élevé, soulevé jusqu'en haut, tu te maîtrises. Tu as la manière de parler. Tu as beaucoup de manières. Regardez Richard Bona. Quand tu es un artiste, tu te considères comme un ange du peuple. Regardez comment quand Richard Bona parle, avec tout le respect du monde. Regardez, avec le charisme. Mais oui, il ne crie pas. Et que vous, c'est qui? Vous êtes bande de... C'est quoi avec vous? Tu parlais comme ça hier, toi, Malox? Tu te croyais? Et avec une telle arrogance. Junior. Non, ça va. Avec une telle arrogance, vous étiez quoi hier? Moussi le Karimari, tu as une photo là, comme ça, on voit comment t'as joué. Regardez. Wow, people on them. Wow, man. Et alors, l'autre photo, on voit comment Malox est là. Il a arrêté le truc. Il est là comme aussi, comme un fou. Avec les malhonnêtes comme ça là. Voilà Malox, son ami, c'est qui a attiré beaucoup de personnes dans ses vidéos. Celui-là qui a mis des tatouages partout, ils sont séparés. Le succès, la gloire à tout prix. La gloire à tout prix. Quand on commence à manger, on oublie où on sort. Et j'ai compris, vous êtes tous unis ensemble. On dit que vous avez tous le même sort. C'est ça. Tu peux avoir le talent en public. Mais au fond de toi, si tu as un mauvais cœur, Dieu te condamne. Voilà, chacun va que souffrir. Vous êtes nombreux comme ça là. Les bandes de monstres comme ça là. Et puis quand vous venez gâter un mouvement qui est en train de prendre, vous êtes qui même? Et on va vous faire cadeau, on ne vous fait pas cadeau. Wow, people on them so. Regardez-moi les gens comme ça là que l'argent est un peu arrangé. N'importe quoi. Les wow, people on them so. Et comment ils sont les mêmes d'abord comme ça là? Lui, ils sont people on them so. Ils viennent gâter le Shiba. Vous avez les millions d'abonnés. Ceux-là qui vous ont soulevé en l'air. Vous voulez mettre un Shiba à terre. Au lieu de venir coopérer. Et si vous voulez même boycotter, taisez-vous. Vous venez non le Shiba en public. Vous croyez qu'on vous fait cadeau? On a des crises, man. On a des crises. Vous avez la chance que vous êtes au Cameroun là. Que le Camerounais parle seulement. Ailleurs, la même nuit même, vous allez confirmer. Venez insulter les gens en public. Qui vous a dit ça? Un artiste ne s'appartient pas. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Tu es en communion spirituelle avec le peuple.
Voilà pourquoi quand un moment, quand l'artiste sent qu'il n'est plus en communion avec le peuple, il commence à délirer. Il commence à délirer. Il a besoin de l'amour de son peuple. Vous avez quoi par rapport à Whitney Houston? Vous avez quoi par rapport à les Kérosène? L'artiste est celui-là, quand il sent qu'il fait plaire, il plaît à son peuple, il sera toujours en santé, même s'il n'a pas d'argent. Il sera toujours en santé. Voilà pourquoi l'ancienne génération va beaucoup mettre long. Parce que vous avez décidé de venir vivre en public avec nous. Mais vous n'arrivez pas à assumer le devoir du peuple. Nous sommes dans un pays, il y a les anciennes générations qui sont là. Il y a l'ancienne génération qui est là. Mais qui ont décidé de rester dans l'ombre. Ils n'ont pas de problème. Mais c'est vous qui avez décidé de dire que vous êtes des enfants du peuple. Vous êtes des artistes. Vous faites vos sorties chaque temps sur les sujets. On ne vous demande pas. Mais quand c'est important, vous fuyez. Vous démissionnez. Vous allez assumer. Vous allez assumer ce que vous avez commencé là. Vous croyez que vous avez chanté plus que les Dinabel? Vous avez même quelle histoire? Les Dinabel sont là, hein? Ils sont vivants. Hein? Les Kingo de foi sont là. Oh. Les enfants Thomas sont là. Mais ils ont dit, ne parle pas. Vous les avez arraché la place. C'est vous qui faites les meilleurs tubes. C'est vous qui êtes les meilleurs rappeurs du monde. C'est vous qui faites le mollet. Vous avez tout créé. Le peuple vous soulève parce que vous levez le matin, vous tapez le tam-tam, tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. L'autre est parti chanter un père. Yeah, 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 yeah. Ouh, il a tous les titres du monde. Les baptistes, c'est là. Oh. Le peuple vous adopte. Le peuple vous aime dans vos merdes. Le moment venu, vous fuyez, vous démissionnez. Vous allez assumer. Beaucoup de vous là, vous n'allez même pas atteindre 50 ans. Wallahi billahi. Beaucoup de vous, si vous voulez vous taper ma main, vous n'allez pas atteindre 50 ans. Parce que c'est vous qui vous affichez. C'est vous qui avez les millions d'abonnés. C'est vous qui voulez donner votre voix sur tous les sujets. Et pour cela, vous vous égarez parfois. Vous oubliez qu'un artiste, une personnalité publique a le droit et devoir de garder le silence. Quand vous voyez un gars comme le Cabrel, là, comme ça, là, son comportement, là, vous croyez qu'il va atteindre 60 ans? Ouais, son comportement, là, non. Vous vous détruisez. Un artiste, c'est un ange, il est calme. Il est calme. L'esprit doit être calme. Tu dois être en communion spirituelle avec ton peuple. Tu dois parler quand il se doit. Quand c'est important, calme. Voilà. On ne fait pas l'amitié à tout le monde. Ça, parce que quand le succès, qui doit être ton ami? Vous mélangez tout. Voilà pourquoi vous avez un avenir incertain. Même la longévité, je ne suis pas sûr que vous aurez. Vous êtes nombreux là. Vous êtes nombreux là. Parce que tout ce que vous faites là, c'est à l'extrême. Sans aucun message. Vous fabriquez les faux buzz. L'autre a décidé, au lieu de partager les idées, au lieu d'être comédien, sa comédie c'est manger la nourriture. Wow, c'est à cause de toi que j'ai perdu ma page TikTok. La bagarre, on fait comme si on veut casser, on ne casse rien. On ne casse rien. Vous attirez les gens qui ont même le talent, comme les Minx. Lui aussi, il est là, il veut défendre sa voiture. Wow, people, on aime ça. Wow, people. Wow, people, on aime ça. Hein? Regardez-moi les gens comme ça. Ils sont tous moches. Regardez bien les bandes là. Tous moches. Tous moches. Affreux. Dieu vous donne même la bénédiction. Comment? God will bless you how? Regardez-moi les gens comme ça même là. Vous comptez même sur quoi pour vous comporter comme ça là? Vous comptez sur quoi? Je suis très déçu. Hein? Surtout toi, Moussi charismatique là. J'ai pris le téléphone de mon fils ce matin. Il a dit que voilà un gars, il faut le suivre. Il est très calme, posé. Il a dit que désabonne-toi. Même ma femme. Il a dit que allez, désabonne-toi. Et puis quand on fabrique un chiba, on met à terre. Pour que tout le monde profite. Comme eux, ils ont un peu d'argent aujourd'hui. Ils ont certains avantages. On vous donne les bons de carburant. Nous tous, on connaît comment ça se passe. Nous tous, on connaît comment ça se passe. Nous tous, on connaît comment ça se passe. Aujourd'hui, comment vous pouvez signer des petits contrats quelque part tout. Il y a un là, qui est là, qui crie chaque jour. Vous n'êtes pas important pour qu'on parle de vous. On parle des personnes importantes. Le jour que tu seras important, monsieur, on va s'adresser à toi. Pour le moment, je m'adresse à ceux qui sont un peu importants. Comme Moussi charismatique. Est-ce qu'il se rappelle de ce qu'il a fait? Moussi, tu sais ce que tu as fait? Il a encore temps pour toi. Hein? Arrête de gesticuler. Hein? On peut avoir le talent, hein? Mais pas la magie. Parce que si on a le talent, on n'a pas la magie, c'est dangereux. Il a encore temps pour toi. Je suis un enfant né et grandi en Banga. Né et grandi en Banga. On a connu les messieurs de la musique camerounaise.
Les lapiro de Mbanga, méfie-toi. 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 Méfiez-vous. Les talents. Quand tu as le talent, mais il n'y a pas la magie dedans, c'est un problème. J'ai vécu à l'Ndjoumé Maurice. Méfiez-vous. Vous n'êtes rien. Vous êtes encore au débat, au départ même de votre vie. Méfiez-vous. Un artiste, chanteur, musicien ne s'appartient plus. Il est la propriété. Eh non, quand j'étais dans les cabarets, j'apprenais à chanter, j'apprenais à jouer la guitare. Vous étiez où? Monsieur, il y a des gens qui ont fait comme ça toute la vie. Le peuple ne les a jamais acceptés. Le peuple ne les a jamais acceptés. Il y a des gens qui vont à l'école, qui ont tous les diplômes. Mais la nature refuse de leur donner le succès. La nature, c'est qui? C'est le peuple. Non, tu as le talent. Non, 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 non. Tu n'es pas là où tu es parce que tu as le talent. Tu es là où tu es à cause du peuple qui t'ont adopté. Et quand ils t'adoptent, ils t'aiment, ils te soulèvent en l'air. Maintenant, ceux-là qui sont en haut là-bas, ceux-là toujours que c'est le peuple qui a mis là-bas, hein, vous coptent, vous amènent. Maintenant, dites que venez manger à table. Ne partez pas manger à table avec ceux-là qui sont la cause de la misère du peuple, en oubliant là où vous venez. Il est bien beau de manger à la table des rois, mais il faut sortir avec sa dignité. On peut aller à la table des rois, mais on sort de là, on devient une mauviette. On peut sortir de là déshumanisé. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de partir à la présidence, sortir là-bas et tout perdre sa dignité? Ça sert à quoi? Il faut beaucoup faire attention. Vous avez beaucoup encore à apprendre. Nous sommes ici là comme ça, on fait notre combat. Vous croyez que les gens ne nous proposent rien? Il y a des gens qui nous proposent des choses. On nous propose des choses chaque jour. Mais on dit non, merci, merci. Je préfère quand je marche dans ma rue là, voir que Mbanga Diaspora, j'aime ce que tu fais. Gars, voilà le carburant. Voilà, 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 voilà. Terminé. Merci pour ce que tu fais. Quelqu'un vient m'acheter ma bouteille de jus de canne. Je dis merci. L'autre me dit donne 10 000, me dit que prends, c'est pour toi. Il prend une bouteille de jus de 2 000, il part. Je dis merci. Junior, ne parle pas. Hein? Ne parle pas. Moi, je suis en train de travailler. Quelle magie. Mais oui, c'est la même chose, non? C'est la même chose. Voilà, t'es non. C'est fini, non? Pourquoi les gens pensent quoi? On dit que les œuvres de l'esprit. On parle des œuvres de l'esprit. Voilà, bientôt on ne parle plus de tes noms. Pourquoi c'est quoi? Tu es dans une affaire où on te dit qu'il y a eu un meurtre. On te dit qu'il y a eu un meurtre dans une affaire. Hein? On te dit qu'il y a eu un meurtre dans une affaire. Tu te tais. Tu ne fais rien. Tu sors de la prison. Au lieu de mettre ton esprit en jeu, sortir un son. Pour demander les excuses. Non, tu t'en fous, tu pars en prison, tu sors, tu pars faire un concert, tu nagues les gens. Hein? Tu nagues les gens. C'est normal. Les gens voient seulement ça. Non, tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre la notion de la vie. Tu as choisi. Soit tu crois au spirituel avant de croire au physique. Que ce que je suis en train de faire là, qu'est-ce que j'ai mérité pour être à ce niveau? Si ce n'est pas que c'est la grâce de Dieu, si ce n'est pas que c'est le peuple, si ce n'est pas que c'est Dieu qui a orienté. Regardez l'artiste Fiche. L'artiste Fiche, quand je l'ai découvert, quand il a chanté avec Longuet. Mais c'est pendant ce temps que tu comprends que, le gars c'est un bon chanteur depuis les années. Mais le peuple ne l'avait pas encore adopté. Donc vous êtes des milliers. Il y a des milliers comme ça là qui méritent d'être mis à votre place. Et même plus que vous. Mais qui n'ont pas encore la chance que le peuple les découvre, les adopte. Souvent même, regardez, comme ce que Kossi a chanté là. Watafufu narero. Le comédien est là, là-bas, à Deido, chaque jour il se balade comme ça là. Le comédien là, à Deido, il se balade.
Il se balade. Le comédien l'a déduit, il se balade. Pendant ce temps, l'autre prend la même chose que tu fais chaque jour là. Pum, il pèse. Il pèse. Donc quand vous allez comprendre que c'est les œuvres de l'esprit, c'est la grâce de Dieu qui vous a hissé, qui a fait ce que le peuple vous adopte très vite, vous ne vous appartenez pas. Vous ne vous appartenez pas. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Faites-vous bien entourer. Il ne sert à rien d'avoir un succès alors qu'on est mal entouré. Mais oui. Où tu ne vas pas, où tu n'avances pas. C'est pourquoi j'ai aimé la thématique du président Maurice Kamto. Parfois dans la vie, il faut retarder son succès. Parfois, Dieu peut vouloir te donner le bonheur, le succès. Retarde. Retarde pour que les mauvaises personnes quittent autour de toi. Retarde pour que le moment venu que tu prennes les bonnes décisions. C'est très important. Voilà pourquoi quand on devient personnalité publique, quand on a le succès, on se doit le devoir parfois de garder le silence. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Garder le silence. Ne pas se prononcer ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça peut faire de toi un mauvais orateur. Mais oui. Et ce n'est pas un tort si tu ne sais pas parler. Parce qu'il y a des gens qui savent parler mais qui ne savent pas écrire. Il y a des gens qui savent écrire mais qui ne savent pas parler. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Parfois on se prononce sur un sujet de la mauvaise des manières. On prend les balles perdues. Ça veut dire la magie. Le talent sans magie, ça ne vaut pas la peine. Parfois, il faut se taire. Répondre en dernière position. Vous valez les qui? Parmi ceux-là qui parlent, qui répondent, qui prennent position pour le peuple. Vous valez les qui? Est-ce que vous les valez? Vous valez tous les autres là? Voilà, petit pays, nous tous on connaît, il mange. Mais il se tait. Il ne dit rien. Il est dans son coin. Il cache. Tu ne sais pas ce qu'il pense dans son cœur. Mais oui, quand tu t'affiches, ça veut dire que tu assumes ton côté. Quand tu t'affiches, moustique, tu assumes. Et que tu peux donner ta poitrine, déjà d'abord pour les étrangers, parce qu'il faut dire la vérité, toutes ces sociétés-là sont des sociétés étrangères. Nous ne sommes pas xénophobes. On aime bien les étrangers. Mais à un certain moment de la vie, on se préfère. Il faut aimer aussi les étrangers qui sont normaux, qui sont polis, qui sont justes. Qui ne vient pas voler le peuple. Parce que c'est à cause de ce peuple-là que tu es ce que tu es, moustique le charismatique. Ce n'est pas à cause du peuple congolais, gabonais. Non, vous avez tous commencé votre carrière ici en Afrique. Il y a des gens qui peuvent me dire que je m'en fous du peuple camerounais. Parce qu'ils tournent ailleurs, on les connaît ailleurs. Les gars comme les Richard Bona, qui vous connaît à Singapour, vous là, qui vous connaît. Les Richard Bona font les concerts dans toute l'Europe. Moi j'ai toujours dit... L'Europe est le continent qui est proche de l'Asie, de l'Afrique. C'est nos frères, en réalité. Le Moyen-Orient là-bas, c'est nos frères. Mais quand on dit d'ailleurs que l'Asie, mon frère, l'Océanie, en Amérique latine, on connaît Richard Bona là-bas. On connaît Richard Bona. Il n'y a pas le festival de Java s'il n'y a pas Richard Bona. C'est Java. C'est là qu'il y a tous les plus grands artistes de jazz du monde. Festival de Java, loin au bout du monde. En Indonésie, qui vous connaît là-bas? Qui vous connaît? Qui vous connaît? Qui vous connaît? Qui vous connaît? Mais regardez comment ils prennent position pour le peuple. Mais toi, tu sors, vous voulez monter le torse, que vous êtes aussi arrivé, vous n'êtes pas arrivé. Vous n'avez même pas les sponsors. Et faites attention. Vous tuez votre esprit. Vous tuez vos talents. Vous vous déconnectez spirituellement avec le peuple. Et le peuple va vous lâcher. J'ai confiance, c'était en Côte d'Ivoire, parce que peut-être vous n'avez même plus 200 000 abonnés. Donc nous allons lancer une campagne contre ces gens-là, les pages-là. Monsieur, désabonnez-vous. Désabonnez-vous de les pages. Et ils ne valent rien. Ils ne peuvent pas mourir pour nous. On les a soutenus hier. Un garçon que j'aimais tellement, ce moustique-ci-là. Un garçon qui est dans le cœur des Camerounais. Tu peux faire ça? Ça veut dire que tu veux t'en sortir seul. Tu veux vivre seul. Mais comment tu penses que tu vas vivre seul alors que les autres s'ouvrent?
Les autres vont prendre la connexion où? Quand un mouvement est lancé, c'est lancé. Tu t'engages seulement. Un mouvement est lancé, c'est lancé. Tu t'engages. Même si tu ne fais pas partie du comité d'organisation, tu t'engages. Tu t'engages. On va voir ça qu'après. Regardez les Ivoiriens. On aime bien les étrangers, mais on se préfère. Tu connais qui là-bas? Tu connais MTN? Tu connais c'est pour qui? Même si c'est les Camerounais qui sont derrière, mon ami, c'est les multinationales qui viennent de loin. Ça vient de loin. MTN, c'est sud-africain. Orange, c'est français. On s'en fout. Ça sert à quoi si les millions de Camerounais souffrent alors que vous vivez bien? Ça sert à quoi? La charisme. Tu n'as même pas un client. Allô, Manso. Les wow people n'aiment ça. Regardez-moi les gens comme ça là. Après, on tape la poitrine. Nous sommes les leaders. Quel leader? Un leader sans couille ne mérite pas être leader. Un leader sans couille ne mérite pas être leader. Un leader n'a pas besoin de parler. Tout a un commencement quelque part. Quand vous ne connaissez pas les points, les agences, les directions de ces gens, tout a d'abord un commencement quelque part. Tout commence d'abord quelque part. Celui qui ne croit pas à ça, c'est un lâche. On commence toujours quelque chose quelque part. Le mouvement a commencé en Côte d'Ivoire. Chaque jour, on parle de ça ici-là. Si ça arrive au Cameroun, voilà ça. Là-bas, ils sont pliés. Mais au Cameroun, mais c'est quoi ça? Si c'est en Côte d'Ivoire, c'est que vous là, vous recevez dans les balles. C'est que vous êtes en train de recevoir les cailloux même sur vous là. Même les balles perdues, les vidéos dangereuses. Voilà le moment où on attend vous les soi-disant blogueurs, blogueuses. Hein? Regardez-moi les gens, on sait, les blogueurs, blogueuses. Vous êtes où? Chacun tarde à sortir. Comme l'histoire de Martinez Ogo. Après, vous venez faire la récupération. Justice Martinez Ogo. Au départ, tout le monde a peur. Tout le monde est triste. Les maudits comme ça, là. Les gens qui n'ont pas de chute dans leur vie. Les gens qui ne pensent à rien. Les gens qui pensent qu'au présent. Non. Je vis dans le futur. Je m'en fous de toi. Jusqu'à demain. C'est le futur qui m'intéresse. C'est le futur qui m'intéresse. C'est le futur qui doit nous intéresser. Il faut combattre maintenant. Que le boivement, voilà l'autre, son devant, derrière, boivement, il ne savait pas. Un parvenu. Après, il se dit, c'est artiste. Un artiste au-dessus de ça. Tu crois que vous croyez que vous avez l'argent plus que les tickets déjà Fakoli? Vous croyez que vous avez l'argent plus que les tickets déjà Fakoli? Les Aïcha Kone, vous c'est qui? Vous c'est qui? Regardez comment les Aïcha Kone prennent position. Les minables artistes comme ça, là, vous-même, c'est même qui même? Qui vous connaît même? Regardez-moi les gens comme ça là. Chacun prend position, vous sortez, on voit deux minables personnes, les gens si jeunes, on n'a vu aucun vieux sortir là pour dire que. On ne voit même pas les Dinabel sortir. Où est Dinabel? Vous connaissez Dinabel? Il a parlé. Sur le mouvement. Apprenons à être parfois naïf pour avancer. Un grand, c'est celui qui connaît la valeur des autres. Un grand n'attend pas toujours que c'est lui qui commence à faire quelque chose pour que les gens s'engagent ou bien les autres prennent. Non. Comme a dit Abraham Lincoln, dans la vie, il y a tous ceux qui vont essayer, les autres vont bien faire. La vie a tout été comme ça. Tu n'es pas besoin obligé de faire les publications. Vous êtes des traîtres. Comme on dit en arabe, vous êtes des gawats. Vous êtes des gawats. Une grosse déception m'a émoussé le charismatique. Tu m'as déçu, toi, là, franchement. Je ne croyais pas ça. Tu m'as déçu. Je suis très remonté contre toi. Tu m'as déçu, franchement. Tu vois un monsieur aussi comme Malox. Arrogant. Arrogant. Demain, vous plaignez que Dieu ne m'a pas donné telle chose. Pourquoi Dieu? J'attends depuis. Vous cherchez ça où? Dieu va vous donner ça comment? Quand vous avez le cœur, comme vous avez là. Même la vraie gloire, vous n'aurez pas. Même la vraie gloire, si Dieu vous donne, vous allez mourir trop tôt. Parce que vous n'avez même pas encore, mais la manière que vous avez du zèle. Regardez les carrés fossaux. Elle côtoie tous les podiums du monde. Mais prends position. Vous avez quoi par rapport à carrés fossaux là? Vous là, vous avez quoi? Parlons, on peut parler en vrai. Même en visibilité internationale, vous avez quoi par rapport à carrés fossaux? Qui prend position? Vous c'est qui? Parlons, on peut parler en vrai. Parce que parfois là, parce qu'il faut parler dans la vie. J'ai toujours dit, il faut être leader, mais
être leader international, c'est encore passable. Caleb Fox est capable d'aller tourner, faire un concert au Japon. Elle prend position. Elle passe un message important. Elle transmet un message à l'international. Vous, c'est qui? Vous, c'est qui? On a vu Richard Bona qui a boycotté parce qu'il devait avoir le roi du Cameroun au Japon. Qui a décidé qu'il ne vient pas chanter devant le roi du Nippon. Devant le roi japonais, l'empereur du Japon. Voilà un message qu'il a passé. C'est-à-dire que les Japonais vont dire que, mais comment notre artiste préféré, quelqu'un qui a joué les chansons pour les dessins animés dans notre pays, comment on l'invite? On lui propose beaucoup d'argent. Il refuse de venir parce qu'on a dit que le roi du Cameroun sera là-bas. Il a renoncé à l'offre. Voilà comment on dit un grand artiste. En ce moment-là, le message va aller chez l'empereur. Que l'artiste que tu aimes là, qui a joué dans tel film de dessin animé, que les enfants adorent beaucoup là, que les enfants miment. Les enfants miment ces chansons. Les enfants chantent ces chansons sans connaître que la chanson là, c'est un Africain qui a chanté ça. Il ne sera pas là. Pourquoi? C'est parce qu'il a dit que si le type là est là, le roi du Cameroun est là, il ne peut pas lui être là. Donc il a renoncé. Voilà comment on dit un artiste capé. Un artiste qui a encore besoin de sa dignité. Et quand tu gardes ta dignité, tu es inspiré. Faites comme Vassero. Faites comme Vassero. Quelqu'un va dire, non, Vassero, mon ami, on peut avoir les affinités. Nous, on a des frères fonctionnaires. On a des cousins fonctionnaires. Mais ça ne change rien dans mon idéologie. Dans ma manière de procéder. Parce qu'il y a souvent certaines personnes, quand Vassero partait à Yaoundé, il était dans le ministre, il était mon ami, nous sommes d'abord les Camerounais, nous tous. Il y a des gens que je fréquente, mais qu'on n'a pas la même perception de la vie. Voilà, Vassero fréquente ces gens, mais il n'a jamais encensé ces gens dans ses chansons. Quand vous dites que Vassero passait son temps à Yaoundé, dans les bureaux des ministres, de Grégra Ouna, tout et tout. Mais est-ce qu'un jour Vassero a appelé le nom de Grégra Ouna dans ses chansons? Question bien posée. Est-ce que le fait que Vassero a fréquenté ces personnes a changé sa manière de faire? C'est ça qu'on appelle un artiste qui ne se déroute pas de sa vision, de son idéologie. Oui, il refuse de perdre sa dignité. C'est la seule chose qui te reste. Oui, que d'être Kiri, Kanan, aujourd'hui tu es à gauche, aujourd'hui tu es à droite. Non. Même le feu, la pyro perd son âme. C'était l'ami des membres du gouvernement. Mais il n'a jamais encensé qui que ce soit dans ses chansons. C'est ça, on dit un artiste qui est focalisé à sa cible. Qui est focalisé à sa cible. Qui dit, je porte la voix du peuple au sommet. Vous allez écouter. Vous êtes obligés. Et ce qui est sûr et certain, vous allez faire tout ce que vous faites là. Vassero, même l'argent, il aura. Parce qu'il a gardé sa dignité. Tout ce que tu fais là pour la gloire, à tout prix, réussir à tout prix, succès à tout prix, tu vas perdre ta dignité. Et quand tu perds ta dignité, tout te fuit. Tout te fuit. Vous croyez que c'est pour rien que vous voyez les artistes sont malades chaque jour au Cameroun, on fait les cotisations. Ouais, ça émane du spirituel. Parce que quand vous avez la gloire, vous avez perdu votre dignité en même temps. Vous n'étiez plus au courant de là où vous venez. Et quand tu oublies là où tu viens, quoi que tu fasses, tourne partout, Dieu va te ramener à la case départ. Ça émane de la spiritualité. Mais quand tu n'oublies jamais là où tu viens, quel que soit ton rang social d'aujourd'hui, mon ami, Dieu va te maintenir au sommet. Voilà pourquoi Vassero aujourd'hui vous vous référez sur Vassero. Tout le monde parle de Vassero. Oui, hier, il n'a jamais fait un tube à succès comme celui-là qui marche avec son ami, c'est Cabral Nyamton, qui parle que à l'époque il se clashait. Ou bien c'est Pifo. Mon jeune homme Pifo, depuis que tu es sorti de la prison là, je t'observe. Mais tu réponds à tout, tu fais tout. C'est bien de donner ton point de vue. C'est ton opinion à toi. Mais j'ai bien dit que dans la vie, la prison nous apprend parfois à se maîtriser. Et je vais passer ce message au général Vassero. C'est bien beau, comme j'ai dit, d'amener les gens dans le train du changement, dans le mouvement du changement. Mais il faut beaucoup faire attention.
Parce qu'il y a des gens qui sont à la recherche de la gloire à tout prix. Comme ce jeune homme-là. Il y a des gens qui s'en fichent. Ils ont le même mode de process. Comme les Cabral. C'est le succès, visibilité à tout prix, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. C'est le buzz à tout prix, succès à tout prix. Regardez aujourd'hui. Il est à l'opposé de ton opinion. Donc méfions-nous de donner les points à certaines personnes. La dernière fois, j'ai vu, tu as donné 500 000 d'aller poser un acte. Oui, c'est un Camerounais. C'est, tu es libre de donner, d'envoyer qui tu veux. Je sais que tu te bats pour que lui aussi change. Mais il y a des gens qu'on ne change pas. Il y a des personnes qu'on ne change pas. Et vous serez toujours à l'opposé. C'est bien beau d'être à l'opposé. Mais méfions-nous. Il y a des gens qui ne sont pas seulement à l'opposé de toi, mais qui vont utiliser cette position-là, cette proximité avec toi, pour chercher à vouloir te salir un jour. Et ça va faire foi. Ça va lui donner raison. Parce qu'on va dire que yeah, c'est toi qui t'as entêté à lui faire confiance en lui léguant une mission aussi grande. Il faut beaucoup faire attention. Nous sommes tous des Camerounais. Je n'interdis personne de fréquenter avec certaines personnes. Mais il faut parfois être prudent. C'est très important, la prudence dans notre vie. On n'embrasse pas n'importe qui. Tu as trop travaillé. Tu as trop travaillé pour faire confiance à certaines personnes dans ce monde. Le monde est très perplexe dans lequel on vit là. Le monde est très ingrat. Le monde est très ingrat. C'est pourquoi quand ça ne va pas, je me recule. Parce que tes prises de position envers moi, par rapport à notre proximité, risquent de te donner raison un jour. Si les choses tournent kazakh. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Vassero. Parce que le monde n'est pas bien. Il y a des gens qui, pour eux là, ils s'en fichent. Le buzz, le buzz. Ils n'ont pas de message à passer. Ils s'en fichent. Le problème, c'est les ventes. Le problème, c'est les succès. Le succès personnel, ils s'en fichent. Le reste, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et c'est la manière de procéder. C'est comme ça qu'ils procèdent. Donc, ils nous ont déçus, ces gens. Tu vois que tu es déçu. Oui, tu es déçu, oui, c'est clair. Tu as parlé de Moussi le charismatique. Parce que dans la bande, il est important. Il est important. Je sais que tu as de la peine de parler de Malox. Oui. Parce que parfois, il ne faut pas parler de certaines personnes. Quand on sent déjà que bon, Dieu est en train de les rendre fous. Quand il veut te perdre, il te rend fou. Mais je sais que le plus important, c'est Moussi. Parce que lui, là, sa prise de position nous a beaucoup déçus. Parce que c'est quelqu'un à qui on tient beaucoup. Même ses thématiques, dans ses sketchs, vous voyez, ils sont nombreux. Ils sont nombreux à avoir le talent, mais sans la magie. Mais oui, ils sont nombreux. Parce qu'ils ont un peu mangé, là, ils vous abandonnent. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux même dans la vraie vie. Celui que tu aides, c'est celui qui va te tuer. Ils sont nombreux. Faites beaucoup attention, la famille. Faisons beaucoup attention. Ce que je voulais vous dire ce matin, je suis très fâché. On doit se désabonner. Désabonnez-vous de leur page là. Ils ne servent à rien. Ils peuvent rien nous faire. Parce que le plus beau dans la vie, c'est d'être reconnaissant à là où tu viens. Quand les gens t'ont aidé hier, tu étais comme ça là. Tu étais là comme quelqu'un qui était atteint de facochère. Parce que c'est la misère. La pauvreté a voulu finir avec toi. Les gens t'ont aidé. Aujourd'hui, c'est toi qui es là hein, à parler avec une telle arrogance. Monsieur le charismatique, tu appelles les gens de Tintin. Hein? On peut avoir une raison, mais on parle avec du respect. Surtout quand on parle au peuple. Tu ne t'adresses pas à une personne. Tu es en train de parler à ceux-là qui t'ont soulevé. Qui t'ont soulevé. Les malheurs, toi là, tu n'es même pas encore arrivé. Attends. Ton moment va venir. Vous allez pleurer partout. Le moment va venir. Laissez ça, calmez-vous, laissez ça. Dans la vie, les gens pensent que non. On n'a que des problèmes d'argent. Faites attention. On n'a pas que tous les problèmes d'argent. C'est celui qui n'a pas d'argent qui pense que l'homme qui a l'argent n'a pas de problème. Non. Non. C'est quand tu as l'argent là que tu comprends que non. L'argent ne suffit pas. Tu as vu l'autre jour que quand tu as fait une publication, tu es sorti de tes gonds à cause d'une publication. Tu as fait 100 publications, 200 publications. Faites attention. Donc ça veut dire quoi? Réussir, c'est bien. Mais, avoir le nécessaire, c'est le plus important.
Avoir la paix du cœur, c'est le plus important. Te voilà, tu as la Mercedes, tu as une grande villa, tu as le boivement. Mais quelqu'un a fait une publication, tu as failli bagarrer. Je suis sûr qu'à la maison, c'était chaud. Ta femme te calmait. C'est qui est sûr que tu l'as en voulu. Parce que dans la vie, quand un homme est touché, sa cible, c'est sa femme. Son moins, c'est sa femme. C'est sûr que ces derniers jours-là, ta femme a souffert. Elle a souffert, je sais. Je sais. Parce que tu as les persécutions dans ta famille. Tu as la pression dans ta famille. On dit que c'est comment? On dit que ça va battre la sainte. C'est comment? Mais oui, c'est qui est sûr et certain. On dit que pourquoi même tu as même laissé la mère de l'enfant? Va la récupérer. Il est même trop tard. Va la récupérer, oui. Je connais des couples comme ça. Je connais des couples comme ça. Je connais des couples comme ça. Elle dit qu'un gars a laissé une femme avec un enfant. Quand ça tourne, Kazar là. Il rentre, il veut faire comme ça. Ses parents disent qu'il ne faut pas la prendre. Il dit que papa, elle a accouché deux enfants encore. On dit que mais c'est même le genre là qu'on veut. On veut celle qui accouche déjà. Va la récupérer. Mais oui, et le gars, pas, il récupère. Jusqu'à il vient l'épouse. Ça devient sa femme. N'importe quoi. Regardez-moi les gens comme ça là. Ils ont soutenez-moi aussi. Soutenez-moi aussi. Voilà, voilà le PayPal. Voilà le numéro. Voilà le lien PayPal qui est là. Il faut soutenir la page. Soutenez la page. Au Cameroun, les pages ne sont pas monétisées. Hein? Au Cameroun, les pages ne sont pas monétisées. Il faut soutenir Banga Diaspora. Voilà les numéros qui sont là. Hein? Voilà les numéros qui sont là. Numéro PayPal, le lien PayPal. Voilà. Donc pour tous ceux et celles qui souffrent des chutes de cheveux et qui ont la calvitie. Moi, j'ai la calvitie. Hein? Voilà. Et qui veut la barbe, beaucoup de barbe, voilà le produit. On a le stock au Cameroun. Voilà. Un produit. Tu as besoin de ça. Deux ou trois, ça va te faire l'affaire. Voilà. Donc contacte-moi au plus 237 683 40 97 55. Et pour tous ceux et celles qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce, voilà le produit. Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le produit. Bye bye à l'éjaculation précoce, pas la faiblesse sexuelle. C'est l'éjaculation précoce qui est la cause de la faiblesse sexuelle. Donc, l'éjaculation précoce est le grand frère de la faiblesse sexuelle. Donc, il est temps pour toi de voir ton problème. On appelle ça le Super Love Best Seller. C'est un produit 5 étoiles. Voilà. Très facile à utiliser. C'est un produit bio. Fait à base de plantes naturelles. Et ce n'est pas buvable. On a le stock en France, Belgique, États-Unis, Italie, Cameroun, Allemagne. Donc, voilà. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit. Super Love. Voilà. Et pour tous ceux et celles qui souffrent de problèmes de barbe, si tu souffres de problèmes de barbe, non, si tu souffres de problèmes de goutte, la goutte, voilà, la goutte, c'est cette maladie-là qui te broie les articulations, tu te lèves le matin sur ton lit, tu n'arrives pas à déposer les pieds au sol, le bas des pieds, ça picote, ça chauffe tellement. Voilà, tu as de la peine à marcher. Donc voilà le produit. Quand tu as la goutte, tu ne peux même pas fermer la tasse comme ça, le verre comme ça. Là. Voilà le produit. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. On appelle ça la cidre urique. Voilà, le nom de la maladie même, c'est la cidre urique. Bon, on appelle ça la goutte. Donc voilà le produit. Voilà. Voilà le produit. Donc je reprends au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà. Voilà. Et puis, il faut qu'on passe aussi... Il faut qu'on pense aussi à ces soi-disant actrices. Hein. Ils sont nombreux là. Ils sont là, ils gardent le silence. On doit les attaquer. Allez vous désabonner. Parce que là, c'est ça, là, écoutez-moi bien. Ça, c'est un combat du peuple. Et nous avons nos ambassadeurs qui sont devant. Donc, ils doivent apporter notre message au sommet. Ils doivent apporter nos messages au sommet. Ce sont les élus naturels du peuple. Un artiste, un comédien, un acteur, c'est-à-dire, on est tous les artistes. Un activiste, c'est un élu naturel du peuple. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on dise à ces gens-là. Voilà Mintumba, qui a passé le message. Car il faut soit passer le message. Donc ça veut dire que les autres doivent suivre. Les Baobé, c'est qui là-bas? Mûrier Blanche. Tout ça, les bapis, poupipi, tout ça. Oui, c'est quoi alors? Chacun doit parler. Chacun doit prendre position. Vous attendez quoi? À part mettre les photos, manger les photos.
Mais il faut m'avoir de la honte de se vanter même parfois. Vous sortez d'un pays très pauvre, très endetté. Vous pouvez dire que vous êtes Camerounais, vrai. Vous êtes nombreux là. Il y a un peu où moi j'arrive à l'aéroport, on me demande que tu sors d'où. Quand je sors dans l'aéroport là, peut-être que je suis en train de caler un gars. Quand il caler un gars comme ça là, where are you from? Il dit que non, je ne suis pas Camerounais. Oh. Non, je ne suis pas Camerounais. Parfois il dit que je suis blanc américain. Ouais, c'est pas moi le premier qui dit ça. Mais oui, parce que tu as honte. On va aller taper, on va voir les poubelles partout. On va voir les poubelles partout. C'est quoi ça? Donc c'est important. Quand tu es une personne publique, chacun doit prendre position. Arrêtez ça. Mais envoyez-moi la connexion. Merci au clair. Merci. Mais oui. Et l'argent, quel argent même ils ont d'abord? Ils ont quel argent? Vraiment, ils ont quel argent? Ils ont quel argent? Voilà le numéro orange monique là. Bien bon, on doit lui faire la publicité. C'est bien. Donc, je dois, si ça continue comme ça, on se désabonne, nous tous, on casse tous les puces là. On va tous à Camtel. J'ai dans ma puce Camtel, hein. Ma puce Camtel. Et je vous dis bien que l'autre jour, Camtel est venu chez moi avant-hier. Donc depuis qu'on a lancé le mouvement là, Camtel est venu chez moi avant-hier me remettre le wifi. Est-ce que vous savez ça? Camtel, vous voyez, il y a déjà le résultat. Il y a déjà le résultat. Camtel est venu me refaire ma connexion chez moi. Ils sont venus me rétablir. Voilà le résultat quand vous parlez là. Vous croyez que c'est la blague? Chacun doit donner son point de vue. Un artiste, comédien, acteur, peintre, c'est un élu naturel du peuple. Il n'a pas besoin d'être à l'Assemblée nationale ou bien au Sénat pour donner son point de vue. Non. Tu es un électron libre, mais qui appartient à un peuple. Comment est sorcier comme ça là? Méfiez-vous, hein. Bout de plus, bon aime ça. En passant, il y a le terrain à vendre. Hein. Il y a le terrain à vendre en Gombe. 8 000 m². Il y a le terrain à vendre à Lorbessou. 30 000 m². Donc, si tu as besoin du terrain en Gombe, la maison de quelqu'un n'est jamais loin. Voilà, tu me contactes. Sinon, demain, tu vas finir comme un mallette en voûte. Voilà, c'est très facile. Hein. Quand on a la gloire, on oublie l'essentiel. Mais la connexion ici là par mois, c'est 30 000. J'ai la connexion de 30 000 par mois. J'ai la connexion de 30 000 par mois, oui. J'ai la connexion de 30 000 par mois. Regardez, on a rétabli, regardez comment la connexion est fluide. Donc, depuis l'autre, ça veut dire que le combat est en train de payer. Donc, il y a le terrain à vendre du côté de Ngombe, 8 000 m². Oui, c'est titré, c'est immatriculé. Il y a le terrain à Lorbessou, tu achètes, tu te construis une fois. Mais la maison n'est jamais loin, fais attention. Qui remet à demain trouver malin en chemin. Il est mieux d'avoir sa petite terre titrée, immatriculée. Tu fais le titre, sort, hein, tu as ton morcellement, tu mets ça quelque part, tu voyages même avec. Parce qu'à partir de ton numéro de titre foncier, hein, on peut localiser ton terrain. Mais oui, parce que c'est sur GPS. C'est sur GPS. Arrête de remettre à demain. Oh. Quand tu vois les filles comme les malins de Mvoutou, elle a remis à demain. Là voilà. Chassée comme une chienne. De la maison de quelqu'un. Tu n'as aucun droit quand tu habites chez quelqu'un. Oui, oui. Moins de quoi comme ça, là. On te met dehors. Oui, oui, on te met dehors. Donc, faites attention. On peut te mettre dehors parce que le bailleur a décidé de vendre sa maison. Tu vas faire comment? Moi, voilà, je loue ici, mon bureau n'est pas en a cassé. On m'a mis dehors. On va te dédommager, mais on t'a mis dehors. Donc, arrête. D'abord, sécurise d'abord là où tu sors. Sécurise un bain, là où tu es. Achète l'appartement. Je m'adresse sur toi à la diaspora. Parce que les gens du Cameroun, là, ils sont très malins. Ils vont vous conseiller mal. Que tu veux même faire quoi? Tu envoies l'argent, ils gardent, ils ont des tontines, ils achètent le terrain. Par exemple, toi-même, tu n'as rien. Écris-moi sur mon WhatsApp. +237 683 40 97 55. Oui, Evan, écris-moi. Sur mon WhatsApp, +237 683 40 97 55. Voilà mon numéro. Écris-moi là-bas, Evan. Comme ça, je vais te passer le contact. C'est aussi quelqu'un comme toi, non? Nous sommes tous des amis, nous sommes tous des frères. C'est voilà. Donc, il faut acheter ton terrain. À Lorbessou, c'est 30 000 seulement. Hein? En face, à Lorbessou, là. En face de l'antenne CRTV. Il y a la route en pavé là qui descend comme ça là. Voilà le terrain quelque part là-bas. Achète ton terrain.
Achète ton terrain, oh. Arrête de remettre à demain, oh. Voilà. Tu n'as pas ta vie à venir au Cameroun, dans ton pays d'origine. Tu es en location, dans les appartements meublés, tout ça. Les gens ont accès à ta chambre, demandent que le poison, oui. On ne peut pas t'empoisonner là où tu contrôles. On t'empoisonne tout là où tu ne connais pas les coins et les recoins. C'est facile quand on t'empoisonne quelque part. On tisse le cou avec les gens qui habitent là-bas. Mais alors que quand tu es dans ta maison, là, même spirituellement, tu es couvert. Il faut faire attention. Tu gardes ton énergie. Voilà, tu es en communion avec la famille. C'est comme ça. Il faut faire attention. Que chacun achète son terrain. Oui. Mais il faut d'abord sécuriser ta famille là où tu es là. Parce que le plus grand cadeau que tu peux donner à une femme qui t'a donné les enfants, que tu as épousé, qui t'a accueilli dans son pays, le plus grand cadeau, c'est lui laisser un appartement. Parce que tu es parti dans ce pays, tu n'as pas 5 francs. Tu es arrivé 11 devant 11. C'est le plus grand cadeau, le plus gros cadeau que tu peux offrir à tes enfants. Parce que c'est à cause d'eux que tu as les papiers. Mais aujourd'hui, tu dis, ah, eux c'est qui? Tu n'étais rien hier. Et tu n'es rien sans tes enfants. Parce qu'ils n'ont pas demandé à naître. C'est toi qui as voulu qu'ils naissent. C'est la même chose. Si les moustiques ne s'étaient pas entêtés à venir devant le peuple, dit que ouais, ouais, sous le même en l'air, on ne devait jamais les suivre. On ne devait jamais les suivre. Donc c'est un pacte à vie. C'est un pacte à vie. Où tu as le droit et le devoir de rendre compte à ce peuple-là. Tu as le droit et le devoir de rapporter la volonté du peuple, la vision du peuple à ses bourreaux. Tu dois négocier. C'est un droit, on ne te prie pas. L'artiste est la propriété du peuple. Ceux parfois qui peuvent même l'activiste, même un artiste engagé qui commence sa carrière en portant au devant le peuple. À un moment, lui-même, il ne s'arrête plus. Hein. Il ne s'arrête plus. Hein. Je me souviens parfois, il fait une semaine sans faire le direct. Mon téléphone commence à sonner. Et tu commences à comprendre la valeur que tu as. L'amour que les gens ont pour toi. On dit qu'on est charme, on dit. L'argent ne vaut pas l'amour que les gens ont pour toi. Parce que automatiquement, quand les gens t'aiment, tu es déjà riche. Puisque à un moment, tu vis gratuitement. Tu lui. Il était là, un sinon l'autre jour ici là. Il veut ma bière, quelqu'un est venu là. Un banga, vraiment, voilà, je te donne un ruina. Il dit merci mon frère. Merci. Si tu veux, tu me donnes l'argent là. Je vais mettre l'internet. Le gars m'a compté, on a 5 ans, il m'a donné. C'est comme ça. Quand les gens ont de l'amour pour toi, automatiquement tu es riche. Mais si tu es riche sans l'amour des autres, tu vas finir pauvre parce que tu es obligé d'acheter l'amour des gens avec ton argent. Et les gens vont aimer ton argent au lieu de t'aimer. Et tu seras pauvre parce que tu dois dépenser pour acheter. Alors que quand les gens t'aiment, tu ne dépenses rien, tu vis gratuitement. Mais oui, tu vis gratuitement. Passez une bonne journée. I love you.